Alors on continue avec un deuxième exemple dans le même principe que la vidéo d'avant. On a donc trois équations à trois inconnues, x1, x2, x3, x4, donc pardon, trois équations à quatre inconnues. Alors puisqu'on a ici plus d'inconnues que d'équations, on peut penser qu'on va avoir une infinité de solutions. Et on va voir ici quel type exactement de solution on obtient avec ce système. Donc même méthode que précédemment, on construit la matrice augmentée. Donc dans chaque colonne, j'ai les coefficients devant les inconnus. Ici 1, 1, 2 devant x1. Ici 2, 2, 4 devant x2. 1, 2, 0 devant x3, puisque ici on n'a pas de terme en x3. 1, moins 1, 6. Et le vecteur du deuxième membre ici qui est 8, 12, 4. Donc voilà notre matrice augmentée qu'on va essayer de mettre sous forme échelonnée réduite. Alors les opérations utiles à faire, ici on va par exemple faire L2 est égal à L2 moins L1 pour faire apparaître des zéros à gauche ici. Donc c'est parti, je fais cette opération. Donc L1 on ne le touche pas pour l'instant, 1, 2, 1, 1, de l'autre côté 8. Donc si je soustrais, pardon, la ligne 1 à la ligne 2, ça va nous faire 1 moins 1, 0, 2 moins 2, 0, 2 moins 1, 1, moins 1 moins 1, moins 2. Et ici, on va avoir 12 moins 8, ça nous donne 4. Donc si on veut éliminer ces deux éléments ici pour faire apparaître des zéros, on va faire aussi L3 est égal à L3 moins 2L1. Donc c'est parti, ici j'ai 2 moins 2 fois 1, 0, 4 moins 2 fois 2, 0, 0 moins 2 fois 1, moins 2, et 6 moins 2 fois 1, 4. Ici ça nous donne L3, donc c'est 4, moins 2 fois 8, donc 4 moins 16, on tombe sur moins 12. Alors, quelle opération judicieuse je peux faire? Je peux faire apparaître un 0 ici. Donc ça va nous faire, pour faire ça, on va faire L1 est égal à L1 moins L2. Donc on ne va pas toucher la deuxième ligne ici. Donc on réécrit 0, 0, 1, moins 2, 4 ici. Par contre, L1, on lui soustrait L2. Donc 1 moins 0, 0, 2 moins 0, 0, 1 moins 1, 0, 1 moins moins 2, donc ça fait 1 plus 2, on tombe sur 3. Ensuite ici, on a donc 8 moins 4, ça nous fait tout simplement 4. Alors, on peut aussi s'occuper de la troisième ligne en faisant L3 est égal à L3 plus 2 L2, ça va nous faire apparaître des zéros. Donc c'est parti. Ici on a donc 0 plus 2 fois 0, 0, 0 plus 2 fois 0, 0, moins 2 plus 2 fois 1, 0, et 4 plus 2 fois moins 2, donc 4 moins 4, 0. Ici on se retrouve avec moins 12 plus 2 fois 4, donc moins 12 plus 8, ça nous donne moins 4. Alors on a fait apparaître ici deux éléments pivots que j'entoure en rouge. Ce sont les seuls éléments non nuls dans leur colonne. Pour les deux autres colonnes ici, on n'a pas d'élément pivot qui apparaît. Et on a une colonne complètement constituée de 0 qu'on a positionnée en bas de la matrice. Alors si je réécris maintenant cette matrice échelonnée réduite sous forme de système, donc je rappelle c'est très simple puisque chaque colonne correspond au coefficient devant un inconnu précis. Donc on avait du coup ici pour la première ligne, ça va nous donner x1 plus 2x2 plus 0x3, j'aurais pu ne pas le mettre, hein, 0x3 plus 3x4, et donc ça c'est égal à 4. Ensuite ici j'ai x3 qui vient du 1 ici, moins 2x4 qui est égal à 4. Et enfin ici, dernière ligne, j'ai 0x1, 0x2, 0x3, 0x4 qui est égal à moins 4. Donc ça nous donne 0 est égal à moins 4. Donc bien sûr, 0 est égal à moins 4, ça c'est complètement impossible.
Donc qu'est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution pour satisfaire ces trois équations. Alors au début, on a vu en fait trois équations à quatre inconnues, on s'est dit peut-être qu'il y a une infinité de solutions. Or là, on vient de trouver qu'il n'y a aucune solution. Donc on est bien sûr dans un espace de dimension 4 puisqu'on a quatre inconnues. Donc ces trois surfaces entre guillemets dans l'espace de dimension 4, eh bien n'ont en fait pas d'intersection, n'ont aucune intersection. Alors c'est pas facile à visualiser dans R4, mais on peut essayer de se donner un petit exemple dans R3. Donc par exemple dans R3, on peut imaginer un plan. Voilà, notre plan dans R3. Et on aurait dans ce cas-là un deuxième plan qui n'a absolument aucun point d'intersection avec le premier. On pourrait par exemple avoir pour ces deux plans les équations suivantes: 3x plus 6y plus 9z est égal à 5. Et pour le deuxième plan, 3x plus 6y plus 9z est égal à 2. Donc là, on a deux plans qui ont exactement les mêmes coefficients devant x, y, z, mais qui ont deux constantes différentes. Donc c'est deux plans qui ne sont pas sécants. Donc sur ce petit exemple dans R3, si j'appelle L1 cette première ligne, L2 celle-ci, si je fais L1 moins L2, eh bien ça nous donne tout simplement 0 ici. 0 est égal à 3. Donc c'est bien sûr, encore une fois, impossible. Il n'y a pas de solution sur cet exemple également. Alors, dans un premier temps, quand on voit qu'on a plus d'inconnues que d'équations, on peut penser qu'il y a une infinité de solutions, mais il y a effectivement des cas où on n'a pas du tout de solution. Donc, pour résumer, si on est dans le cas, on tombe sur une équation du genre 0 égale a avec a non nul, eh bien, il n'y a pas de solution, c'est impossible. Pas de solution. Deuxième possibilité, c'est lorsqu'on arrive à avoir le même nombre de pivots que de variables. Par exemple, si j'ai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, et ici A, B, C, et bien dans ce cas-là, on a tout simplement une solution unique. Et troisième cas de figure possible, c'est lorsqu'on a des variables libre. Donc je vais prendre un exemple ici. Par exemple, je vais avoir 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0. Et avec ici sur notre matrice augmentée, 0, 5, 2. Donc je rappelle que si j'ai pas 0 ici et que j'ai que des 0 en face, alors j'ai oublié un 0 ici, voilà. Donc si j'ai pas 0 ici et que j'ai que des 0 en face, alors on est dans le premier cas, c'est-à-dire pas de solution. Ici on reconnaît deux éléments pivots et deux colonnes libres, en fait, deux variables libres. Et donc dans ce cas précis, on a des variables libres et donc on n'a pas de solution unique. On a une infinité de solutions. Donc à bien retenir ces trois cas, si on tombe sur une égalité impossible du type 0 égale 2, 0 égale moins 4, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Si on a bien le même nombre de pivots que de variables, alors à ce moment-là, on a une solution unique. Et si on a des variables libres, comme ici, il y a une infinité de solutions.